Bienvenue à tous et à toutes dans ce tutoriel consacré au développement des applications avec Angular. Ce tutoriel s'adresse à tous les développeurs web qui souhaiteraient créer des applications web réactives et donc cette vidéo vous permettre de prendre en main Angular. Donc le plan de cette formation, ce sera de cette façon. Alors, on commence par l'installation et configuration d'Angular, et puis comprendre la structure d'Angular, et par la suite, la création des composants et le composant principal. On va voir comment router les pages en utilisant les routes, ou ce qu'on appelle le routage, et puis l'utilisation des CSS et Bootstrap CSS. On va voir aussi le templating élevé dans Angular, et comment afficher les données en utilisant le binding dans Angular. Et puis les directives, c'est-à-dire les instructions d'Angular. Et on va voir aussi le module, parmi les modules, le module le plus intéressant, c'est le module de formulaire, ce qu'on appelle form module. En dernier point, donc, on va voir comment intégrer les services dans Angular, comme par exemple le service HTTP, récupérer les données à partir d'une base de données. Alors, comme prérequis, il suffit d'avoir des notions sur HTML et CSS, comprendre le JavaScript, donc il faut avoir un minimum de JavaScript, et bien sûr qu'il faut un petit peu sur la programmation orientée objet. Si vous avez déjà travaillé sur un projet créé par Java ou C++ par exemple, alors facilement vous pouvez comprendre qu'est-ce que ça veut dire une classe, une méthode, une propriété dans Angular. On commence.